Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite boîte sur base de la matrice découpe de lanterne pour offrir lors d'une belle réussite. On va commencer par découper les deux éléments de la lanterne. On va maintenant supprimer certains éléments. On va supprimer les petits rabats ici et cette partie-là. Sur chaque morceau. Comme ceci. On va les fixer l'une à l'autre avec le microscope, on a des boucles de face. On va maintenant décorer les faces. Il me faut 4 bandes de 2 x 7 cm de papier imprimé. On va coller sur chaque face comme ceci. Dans une chute de page reportage bleu marine, on va découper deux frises. Toujours bien les mettre sur la longueur, ça découpe mieux. Maintenant, je vais venir découper ici, le long, avec le cutter droit pour détacher ma frise et avoir un bord droit. Alors je vais supprimer la petite partie ici, petite bosse. Et il me faut deux morceaux de 7 cm. On va fixer nos petites découpes ici chaque fois à 5 mm de nos papiers imprimés. Maintenant, dans le papier bleu, je vais perforer un rond de 6,3 cm. Que je vais couper en deux parties égales. On va ensuite sur le papier blanc tamponner le motif arrondi comme celui-ci. J'ai pris l'encre émeraude. Je le fais deux fois. Au centre, le petit mot bravo. Avec l'encre bleu marine. Et sur le second, pour ta réussite. On va perforer les deux ronds avec la perforatrice de 5 cm. On va
va les doubler des demi-ronds bleu marine. Et on va ajouter ici au-dessus trois petites perles, pareil ici en dessous. Alors les perles, je les bouge d'abord sur le petit plexi et puis je les prends avec la petite pince. On va maintenant plier la boîte et la coller. On va ensuite coller nos petits décors sur les côtés avec des petits mousses 3D. Il nous reste à passer le petit ruban et la boîte sera terminée. Et voici. Vous avez manqué la vidéo de la semaine dernière? Cliquez ici! Vous voulez voir plus de vidéos? Abonnez-vous à notre chaîne!